Dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler d'une chose que vous ne connaissez pas. Non, ici nous allons parler d'ovules, de comment fabriquer son ovule naturel, mais très puissante. Je sais que beaucoup de vidéos circulent sur le web, comment nettoyer, comment refermer, comment serrer, comment soigner les parties privées. Mais la recette que je vais vous proposer est ancestrale, utilisée depuis toujours. Moi-même, je l'utilise et mes enfants l'utiliseront, ainsi que les enfants de mes enfants. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous, likez et commentez. Pensez aussi à la clochette de notification, mes amours. Pour cette recette, vous avez juste besoin de deux ingrédients. Oui, un numéro 1, du clou de girofle, et un numéro 2, du beurre de karité. Sachez que le beurre de karité procure la sensation de bien-être, de raffermissement, d'adoucissement, de réchauffement de votre Valentine. Le clou de girofle, quant à lui, combat la mauvaise odeur, accentue les sensations au niveau des muqueuses et des parois de votre corps. Ces deux produits combinés ont fait des preuves et j'en suis la preuve vivante. Ceci est très simple. Pour celles qui ont des doutes, il suffit d'essayer. Les études scientifiques ont prouvé que chacun de ces produits en solo était très efficace. Mais combinés, là alors, ils sont exceptionnels. Ces mêmes études ont aussi prouvé qu'ils étaient totalement inoffensifs pour vos organes. Au contraire, sont absolument la solution. Au vu de ce que ça pouvait faire, à l'occurrence, rétrécir au point où vous avez l'impression que c'est la première fois. Non, je n'exagère pas. Mais en plus de cela, ça nettoie le ventre, ça élimine les plaies dues aux accouchements, aux rapports brutaux douloureux, par exemple après un viol ou des trucs de ce sens-là. Ou alors même, si vous avez passé des moments chauds, monsieur n'a pas fait attention. Bref, ce combo est tout simplement un puissant antibiotique naturel et en bonus, ça donne une très bonne odeur. Pour la préparation, vous avez deux possibilités. En numéro 1, videz une capsule comme celle-ci ou même une plus grosse capsule si vous en avez. Vous remplissez avec le mélange que vous venez d'écraser. Faites des petites quantités pour un début. Vous testez la tolérance à la chose. Si ça fonctionne, vous augmentez la dose. Donc, lavez-vous bien les mains. C'est pas la peine de vous infecter. Écrasez votre clou de girofle, soit sur une pierre comme celle-ci, ou alors dans un... ou même dans un mortier, dans un mixeur. Bref, écrasez votre clou de girofle, mélangez les deux. Remplissez votre capsule après vous être douché, après avoir bien nettoyé Valentine. Mettez ceci tout au fond. Ça va fondre pendant la nuit et ça pourra nettoyer partout à l'intérieur. Si vous n'avez pas de capsule, préparez de cette façon. Roulez bien ceci et mettez-le au frais, que ça durcisse complètement. Sortez-le juste au moment de l'application. Faites attention à l'hygiène, s'il vous plaît. Faites ceci jusqu'à ce que vous atteigniez le degré de contraction qui vous convient. Il n'y a pas de restriction, pas de délai minimal, juste des résultats très satisfaisants. Pensez à vous abonner. Partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Likez et commentez. Bisous, bisous.